Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message intemporel de ce mardi 23 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie pour ce matin, 23 juillet, calme dans la tempête. Même dans une situation de conflit extrême, on gagne toujours à rester calme. Eh bien voilà le mot d'ordre. Si vous êtes en colère, si vous êtes en conflit, restez calme. Vous y gagnerez. Aujourd'hui, j'ai accepté la différence. Eh bien, nous sommes toutes et tous différents, n'est-ce pas? Nous sommes tous, toutes et tous uniques. Vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir, peut-être accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur, de votre petit cœur. Eh bien, en assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Et par moment, pour certains d'entre vous, eh bien, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Cette carte, elle vous invite à modifier cette habitude destructrice, n'est-ce pas? Et bénissez plutôt, eh bien, vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel en même temps. Acceptez, eh bien, toutes vos imperfections, acceptez vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes, eh bien, au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence, eh bien, elle est votre atout, n'est-ce pas? Et acceptez-la et démontrez-la. C'est important de l'accepter, de la démontrer. Rituel de l'unicité. En un, eh bien, osez accueillir et manifester votre différence. Ce qui vous rend unique, avec amour et bienveillance. Eh bien, soyez-en fiers. Oui, soyez-en fiers, exprimez votre différence avec votre cœur. Votre expression distinctive peut se faire à travers des moyens tels que l'art, votre apparence, votre tenue vestimentaire, vos choix de vie ou même encore vos croyances. Deux, eh bien, honorer la différence des autres en leur offrant des compliments. Observez l'effet positif que vos mots auront sur les autres autant que sur vous-même. Vous savez, l'impact des mots, c'est très important. Et en trois, demeurez en toutes circonstances ouverte ou ouvert aux différentes opinions. Ne cherchez pas à convaincre les autres que votre façon de penser est meilleure que la leur. Restez humble. Quel beau message! Quel beau message, accepter la différence de chacun. Et en parlant de ça, je pense au film Un petit truc en plus que je suis allée voir avec ma petite fille et ma fille.
Et là, ça nous montre encore la différence et ce sont des leçons, ça nous donne une leçon de vie. Ce film nous donne aussi vraiment une leçon de vie sur la différence. Allez, je termine avec la pensée positive pour aujourd'hui. Je libère le passé afin de m'ouvrir à l'avenir. Quand je laisse aller ce qui est connu, mon passé, c'est-à-dire, voilà, mon passé entre parenthèses, j'accélère le processus d'évolution. Mais évidemment, si on ferme une porte au passé, on ouvre une nouvelle porte à ce qui nous est destiné, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous évoluons. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.